Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Distant World 2. Nous sommes toujours avec la guilde Tikan, nous sommes toujours dans la merde, parce que nous n'avons pas de carbonite, et on relance la partie. Premier épisode dans lequel je peux commencer à prendre en compte ce que vous m'avez dit dans vos commentaires, car les deux premiers épisodes étaient en fait tournés à la suite, voire même les trois premiers, en fait, vu que ça doit être le quatrième. Donc bah merci pour ceux qui ont réagi, qui sont a priori des joueurs du 1, et qui m'ont franchement aidé dans la compréhension de certaines mécaniques. Voilà, merci à vous les gars, ça fait plaisir. Alors, comment on fait pour gérer notre problème majeur? Ben, c'est la question. On peut éventuellement baisser notre froc par rapport aux pirates, tant qu'on n'a pas trouvé ce qu'il faut, mais ça me semble pas être une idée excessivement bonne. Build des Pathfinder. Ouais, moi je veux bien, mec, mais... Je sais même pas si on a ce qu'il faut pour les construire. Ouais, les pirates, eux on a réussi à les payer parce que du coup on pouvait pas les gérer. Eux on les paye pas. Je rappelle que notre flotte souffre sévèrement. Bah souffre sévèrement du fait qu'elle n'est pas capable en l'état de se réparer ou d'avoir de nouveaux membres qui vont arriver, tout simplement parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires. Donc on est un petit peu tenu à trouver de la carbonite dans les plus brefs délais et en attendant qu'on en ait. On ne peut pas faire grand chose. Voilà, on en était là pour être précis. Au niveau de la construction dans mes différents sites, ouais. Mais on construit rien du tout, c'est ça qu'on fait. Alors, on a découvert donc de la salade, donc des racines de Podantia, une herbe médicinale. Donc ça, c'est toujours une très bonne nouvelle. Et on a trouvé ici du quartz de dirilium, usé dans la électronique... ok. Excellent. Parce qu'on veut, mais excellent. Je sais pas si on en est loin de pouvoir faire des... Ah, ils nous aiment pas, eux. Hein. Donc, ils sont troublés par notre... le fait qu'on soit des aliens, hein. Ok. Ah, il a des trades... Lui, il a carrément des trade agreements avec les pirates, lui. Hein. On en est là, hein. Ouais, bah, les gars, allez-y, hein. Ouais, donc notre souci, c'est les matériaux nécessaires au warp drive. Donc lui, il est en train de filer de la thune aux pirates, hein, soyons clairs. Est-ce qu'à un moment, on va pouvoir devenir nous-mêmes potes avec un groupe de pirates? J'ai un petit peu un doute, parce que là, on est en fait en train de réduire encore notre... nos accords, en fait, avec eux. Donc bon. Ouais. Voilà. La situation est un petit peu fâcheuse. Ça, c'est ce qu'on mine à l'heure actuelle. On voyait qu'on a quand même des mines qui sont extrêmement riches par endroits. Ça fait plutôt plaisir. Ça, c'est ce qu'on pourrait miner. Et vous noterez qu'il n'y a pas ce qu'il faut. je peux pas build tes Pathfinder, mec. On n'a pas ce qu'il faut pour les construire. Donc arrête de me casser les pieds. C'est quand même dingue hein, de pas trouver la moindre carbonite dans tout ce merdier. Hein. Je trouve ça impressionnant, perso. Voilà, carbonite. Walou. On est en train de faire des modules de... Enfin... Oui, on fait la... l'exploration planétaire et les scanners en espérant bah, trouver trouver au mieux et au plus vite ce qu'il faut par rapport à peut-être à trouver des ressources qu'on n'avait pas trouvées jusque là. Est-ce que j'ai des glorieux espions? Oui. Bah écoute mon très cher et glorieux espion, ce que tu vas faire c'est que tu vas aller chez ces tarés là. 27% non, 33%, 33%. Est-ce que tu peux...
Voler des trucs. Typiquement, est-ce que tu peux voler des trucs en... sur les scanners? Ce serait bien. Ce serait très très bien. Storage. Ouais, bof. Système pas. Ouais. Ça pourrait être sympa aussi, hein. Ouais. On va essayer de faire en sorte qu'il se bouge le fion par rapport à ça. Ouais, non, ça sert à rien. On n'aura pas le temps. On va essayer d'aller chercher ce que j'avais vu ici, qui était en fait les patrouilles, on va dire. Va chercher ça, mec, et essaye de survivre. Ça m'arrangerait bien. Allez, plaît-il? Alors, construire de... Bah oui, moi je veux bien que vous le construisez, ça. Il n'y a aucun problème. Vraiment. Je suis même parfaitement ravi que vous le construisiez. Je sais pas pourquoi c'est vert dans le coin là par contre. Je pense qu'il faut vraiment qu'on aille dans d'autres systèmes là. On est en train de perdre notre temps sur ces trucs. J'ai un peu l'impression. Enfin bref. C'est comme ça. En tout cas, j'espère que le jeu continue de vous plaire. Ouais. Vas-y, mec, vas-y. Alors, c'est quoi ça? De la carbonite, putain! De la carbonite sur Caritruf Minor 3. Show me. Ok. Oui. Oui, mission prioritaire, oui. Eux, ils veulent 30 000. Non, ils veulent 30 000 balles contre un. Ouais, donc là, ouais, là, c'est où, c'est quoi? C'est. Ah bah, justement, c'est là-bas, là. Donc, ça, il nous le faut, mais alors, absolument de chez absolument. Est-ce que j'ai un vaisseau de construction? Ça va être les trucs militaires, oui. C'est pas ce qu'on veut. Moi, ce que j'aimerais, c'est un vaisseau de construction. Vaisseau de construction, est-ce qu'on peut les choper? Comment ça, t'as pas de mission, toi? T'es pas genre un vaisseau de construction, mec? Bon, je sais que t'es blessé, mais c'est un détail absolument mineur. Donc, ce que tu fais, machin. Si tu vas là. Machin? Ah, machin, il peut pas. Ok, très bien. Donc, j'ai déjà lui, là. L'entreprise sombre qui va venir miner ici. Hein. Et là, il y a une station qui va être créée dans les plus brefs délais, c'est ça? Ça, on pourrait limite le... Non, on peut pas le coloniser. C'est trop... Ça semble être un petit peu trop vert pour nous. Par contre, ça, c'est pas trop vert pour nous du tout, ça. Ça, on peut tout à fait le coloniser, une planète de désert ici. Très très bonne nouvelle en ce début d'épisode. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire en sorte d'arriver à les construire ce qu'il faut construire sur ces. Ouais, ok. Ok, on a la technologie de la prospection planétaire en espérant que ça nous apporte des trucs dans les délais les plus brefs. Construire des scouts. On n'a pas l'argent? Moi, je veux bien dire oui. Mais pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut. Tant qu'on n'aura pas construit une mine ici, dans les délais les meilleurs, à mon avis, on pourra pas le faire. Hein, Et puis en plus, c'est pas des prospecteurs que j'aimerais, moi. C'est vraiment des vaisseaux de construction, en fait. Ah là là. C'est même pas si loin de notre capitale, en vrai. Hein. Donc c'est ça qui est plutôt une bonne nouvelle.
Ok, donc on a un vaisseau qui est en train de s'en occuper. On va faire de ça, enfin, c'est littéralement la mine la plus importante de l'Empire. On a encore des vaisseaux? On a encore 8 vaisseaux, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il s'est pas fait choper. On les a vexés, mais on s'est pas fait choper. 14% sur l'hyperdrive ici de recherche, pourquoi pas. Et ici, c'est quoi cette planète un peu chelou? Ah, c'est une planète de type volcanique, ok. Ok. Pas de problème majeur par rapport à ça. Voilà, lui, c'est lui le vaisseau de construction. Donc normalement, lui, il vient ici construire notre glorieuse mine. J'apprécierais que ce soit fait dans les délais les meilleurs, machin, si ça vous dérange pas trop. Ça, est-ce que je le colonise en vrai? J'ai 45 000 balles. On est sur du plus 800. Ah bah de toute façon on peut pas. On n'a pas de colony ship design, donc forcément on peut pas. Arrête de m'emmerder avec tes scouts. J'ai toujours pas fait la techno pour les... Ah non, basique colonisation, je peux pas parce que j'avais pas de carbonite en fait. Hein, c'est juste ça. Ok, bon bah écoutez, on est... on est très très... donc bah dépendant hein, de cette glorieuse construction. Pendant qu'on surveille ça, est-ce que lui je peux le renvoyer en mission? Parce que bon, il n'a pas l'air super doué, on va l'envoyer chez quelqu'un d'autre. Je voudrais toujours que tu me trouves le... ça là, System Patrol War Starship, ça me semble vachement bien. Premier contact, salut les gars! Je sais pas qui vous êtes, mais vous avez vraiment une sale gueule. Je dis pas ça pour vous vexer, hein. C'est juste un fait indéniable. Vous êtes absolument dégueulasse. Oui! Enfin! Je vais regarder si on peut le grader direct en fait. Je pense qu'il construit de base le modèle le plus avancé qu'on ait de toute façon. Donc, oui. Oui. On a le dernier design en date de ça. Donc ça veut dire quoi ça? Bah ça va vouloir dire qu'on va pouvoir éventuellement lancer de la recherche sur la colonisation basique déjà, parce que ben ça peut être utile, on va pas se mentir. Et on va maintenant pouvoir faire des vaisseaux pour se protéger des pirates un tout petit peu mieux. À l'heure actuelle, nos vaisseaux ne sont pas satisfaisants, clairement. 8 vaisseaux pour protéger ce qu'il y a à protéger, c'est même un petit peu naze. Comment on fait ça par contre? Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la carbonite là-bas aussi. Ouais, bah écoutez, vas-y, ouais, il en faut partout. Excellent. On est en train donc de débloquer un petit peu la situation. Est-ce que je ferais directement quelques vaisseaux en plus? Je vois que lui, là, il est clairement en train de construire déjà... Ouais, voilà, il est en train de construire des vaisseaux de commerce, je pense, pour aller là-bas. Je pense que, oui, voilà, tout le monde va se diriger très rapidement par là-bas. Yes, yes, yes. Non, je construis pas tes scouts. Vous, j'ai pas besoin de vous. Des noix. Ouais, on adore les noix par chez nous. Ouais, voilà. Ok, on a des...
Un seul exploration de chip si tu veux. Allez. De la fourrure et de la fibre. Oui, tout ça, on fait. Vous voyez tout ce qui se développe, comment dire, tout ce qui se débloque maintenant, en fait, qu'on a accès à cette ressource. C'est vraiment ce qu'il nous fallait, quoi. Vraiment, vraiment ce qu'il nous fallait. Là, par contre, je pense que je vais peut-être. Ouais, bon, on les a pas encore. Elles n'ont pas été livrées. Ouais. Il faut absolument qu'on se fasse livrer et qu'on construise. J'apprécierais avoir deux flottes à 10, en fait, pour être précis. Il me faudrait éventuellement des tankers aussi. J'ai pas fait non plus les vaisseaux civils avancés. Ah bah non, on n'a pas fait les vaisseaux civils avancés. Bah écoutez, c'est pareil, on paye le coup. Hein. 150, 150, ça c'est des rayons à 225. Les heavy. C'est une arme qui nous est propre. Hein. L'Ion Bomb. Bah j'espère que ça a bien marché. On va laisser ça comme ça pour l'instant. C'est quoi ça? Il y a des gens qui viennent réparer. Ouais, bah oui, pareil. J'imagine que maintenant qu'on a de la carbonite, il y a des vaisseaux qui vont pouvoir être réparés parce qu'on n'en avait pas avant. Donc c'est un problème. Alors le système Patrol Starship, où est-ce qu'il est ce truc? Parce que ça me semble plutôt sonner bien, moi. Où est-ce qu'il est? Bah il est pas là. Là. Ouais, ça sert à faire des frégates, ça. C'est quand même pas déconnant. Bon, allez. Ok, on a fait un nouveau vaisseau d'exploration. On est très heureux par rapport à ça. J'apprécierais toujours. Yes, on peut faire ça. Enfin, quoi. J'ai fait plein d'escortes. Hop. Ok, nos explorations nous montrent plein de trucs de découvert. Là, il y a. Ouf. C'est quoi ça? 900? C'est quoi les bails? Ah! Attends, lui, il est vraiment nul à chier comme espion. Bah écoute, décède, qu'est-ce que je te dise. Alors là, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des créatures. De type créature. Qui semble assez vénère. Donc, est-ce qu'elle va nous attaquer ou est-ce qu'elle range. Non, je pense qu'elle mange tranquillement en fait son caillou. Tant qu'elle mange tranquillement son caillou, on va lui foutre la paix. On n'a pas de raison d'aller déranger cette espèce d'araignée de l'enfer là. Il fait quoi lui? Ouais, mais tu vas où en fait? Plus précisément. Parce que move à truc, moi je veux bien, mais move pour faire quoi en fait? Ça me. M'inquiète. M'inquiète un peu. J'espère que ces abrutis sont pas en train d'essayer d'aller attaquer justement cette créature de l'enfer là. Ce serait littéralement la pire idée qui soit, vu qu'elle semble pas spécialement agressive pour le moment. Alors, construire une station pour avoir en plus 11% sur les sensors, je dis oui. Construire une station pour avoir du silicone et de la fourrure, je dis oui.
Yes! Un critical breakthrough. On va avancer beaucoup plus vite sur cette recherche. Ouais, c'est quoi les bails, du coup? Ah ouais, si, c'est bien, c'est donc ça. C'est donc que vous êtes stupides jusqu'au bout, les mecs. Vous avez littéralement une force de 114 et vous voulez aller chasser une créature qui a une force de 300? Quel est l'abruti qui a donné cet ordre? Parce que c'est clairement pas moi. Vous êtes qui, vous, la troisième flotte? Ouais. Bah, vous savez quoi, les mecs? Vous allez plutôt aller là, en fait. Ok? Genre là. Puis ça va être vachement bien. Puis vous allez arrêter vos conneries. Vous allez vous contenter éventuellement de défendre notre glorieuse station la plus importante de l'univers. Puis ça va être très bien. Ok, par contre, il a fait. Ouais, il a de nouveau fait d'autres flottes. Je suis pas certain que ce soit une méga bonne idée, ça. J'aurais préféré en fait qu'il renforce deux flottes plutôt qu'il n'en crée une troisième. C'est vraiment, vraiment pas une bonne chose. Ouais, vas-y. Alors, de la Necrostone. Ouais, et. Toujours de la fourrure, si vous voulez, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Des feuilles de Yapara. À quoi ça sert? C'est plein de nutriments. Et ça protège contre les toxines et les pathogènes. Bah, c'est très cool, ça. Oui, bah allez-y, oui. Et ça, c'est... de nouveau, des espèces d'herbes médicinales, en fait, du Wiconium. Elle est très utile à la santé de l'Empire, cette planète, dites-moi. Une très bonne nouvelle. Comme vous pouvez le remarquer, on a 1000 balles. Et je pense que pour 1000 balles, je vais rajouter encore 3 corvettes. Quand je dis 1000 balles, c'est en cash flow, hein, pas en stock. Oui, allez-y. Donc là, il y a une nouvelle. Donc eux, ils vont où maintenant? Eux, ils viennent d'arriver ici. Ils vont aller investiguer ce qui se passe là-bas, là. On dirait. Non, je veux pas que vous me rendiez mon espion, j'en ai rien à foutre de mon espion, il était nul. On se lance pas dans le boulot d'espion quand on est nul, c'est extrêmement gênant. Pour l'Empire. Vous embarrassez l'Empire, messieurs. Okay. Parfait, pareil, on m'a dit que j'avais pas à m'inquiéter, que je pouvais complètement construire des mines, hein, sur les mondes et ensuite les coloniser, donc ça c'est plutôt rassurant. La flotte là, en fait, je vais absolument la fusionner avec celle qui est à côté. C'est laquelle, celle qui est à côté? Du thé, excellent, on adore ça le thé. Attaque Gravilex. Attaque quoi? Là. Ah oui. Attaquer ça là. Ça me semble être une vraie idée de merde, les mecs. Non? Ouais. Ah, alors attendez, on va faire un petit truc. Alors, on a trouvé des cristaux encore, des cristaux de Vakala cette fois. Booste notre développement de colonie. C'est très très bien. Donc eux, ils attaquent le Gravilex. Bah, en fait, je pense que eux qui sont ici, là, qui n'ont pas de mission, je vais les basculer dans la First Defense Force, en fait. Je vais dire toi, là. Hop. Tu rejoins la First Defense.
toi. Force défense et celui qui reste. Force défense. Allez, comme ça vous êtes plusieurs à attaquer le Gravilex. J'espère qu'ils vont réussir à faire quelque chose d'intéressant, même si le fait d'arriver au compte-gouttes contre une créature qui semble se nourrir à côté d'une étoile me semble être une vraie idée de merde. Alors, ça c'est une bonne nouvelle, on a les nouvelles bombes. Donc, eux, j'apprécierais qu'ils genre ils rétrofitent en fait, hein. Ça me ferait très très plaisir, hein. Mais bon. Ouais, parce qu'on a les wave bombes là, on n'a pas les ion bombes. Donc il faudrait qu'on. Pourquoi vous refitez pas, les gars? C'est quoi votre problème? Nous utilisons déjà les derniers designs. Qu'est-ce que ça veut. Pourquoi? Pourquoi nous utilisons les derniers designs alors qu'on a des bombes de niveau supérieur? Vous mentez, messieurs, ça n'est pas le dernier design. Les escortes sont là. Donc c'est quoi les bails? Ion engine, ion engine. Ion bombe. C'est quoi le problème? Wave bombe. Pourquoi c'est beaucoup moins fort? C'est la tête chercheuse, ce truc. La taille est beaucoup plus grosse, par contre. Bah, peut-être en fait qu'on n'a pas la taille, qu'on n'a pas la place hein, de placer ça sur une escorte. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'on était parti sur l'idée. De choper les frégates. Parfait, j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 5 minutes pendant mon comment dire, avec mon micro coupé, c'est un grand moment. Merci micro.
Donc l'événement que je viens d'avoir, c'est simplement qu'on a trouvé une carte avec une colonie indépendante dessus. Pas que ça m'intéresse plus que ça, je ne vous le cache pas. Encore? Je croyais qu'on en avait fini avec ces salopards. Il s'avère qu'on n'en avait pas fini, il y en avait plusieurs, hein. Après, c'est pas si costaud que ça en vrai. Hein. Je sais pas pourquoi on nous dit que ce truc a 300 de force, parce que je trouve pas ça très représentatif de ce que ça nous fait comme dégâts en fait. Enfin bref, peu importe. Si c'est 7, je vais refaire quelques corvettes. Est-ce que je peux envoyer notre génie là? Non, merci, c'est bien aimable. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous emmerde de façon globale. Si tu as les... Ouais, je sais, on se fait attaquer. Je vais m'en remettre. Ne vous inquiétez pas. C'est pas attaquer une petite construction à l'autre bout de l'Empire qui m'inquiète plus que ça. Voilà. Quelques petites constructions. Alors, on a enfin la technologie de colonisation, j'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. On est encore under attack. Putain, mais la faune et la flore commencent à me les briser un peu menu, je ne vous le cache pas. Ah, de l'obsidienne sympathique et des berries sympathiques. C'est très joli, ça. Très estimé. Écoutez. J'aime beaucoup les gemmes très estimées. J'aime, voilà, j'aime, oui, les gemmes. Ils veulent quoi? Non, mais je veux pas de votre protection. Je veux que vous alliez vous faire cuire le cul. Voilà. Alors, on a tout ça qu'on pourrait coloniser. Prime. Trente-deux %. Trente-quatre % ici, sur celle-là. Mais j'ai, oui, j'ai très envie de coloniser ça en premier, moi. Ah! Je peux pas. Il me faut comment, les vaisseaux civils avancés pour faire un vaisseau de construction. Donc nous on nous dit que c'est celle-là qu'il faudrait voir en premier. Où est-ce qu'elle est celle-là? Dans quelle partie de l'univers? Ah bah elle est d'accord. Elle est littéralement dans notre système natal en fait. Je suis pas certain que ce soit le meilleur des plans. Du coup, parce que... Ben parce que... Ouais ça nous fait vraiment un gros endroit blindé de planètes et rien ailleurs en fait. Donc, je suis pas très convaincu. Je vais plutôt les chercher comme je l'avais voulu. Voilà, là-bas, j'apprécierais, je pense, récupérer tout ça. On me signale quand même la présence de pirates dans ce coin-là. Je sais pas où ils sont. Mais regardez, il y a un drapeau. Donc ouais, ça m'ennuie. Ça m'ennuie un peu. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Thank you.
Plus ça vient et moins on perd d'argent à cause de notre colonie secondaire là. Oh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les gens sont contents pour l'instant. Pour l'instant. Yep. Bon, lui, il s'est encore fait attraper, putain. J'en peux plus de cet espion, quoi. Pourquoi il est mauvais à ce point, quoi? On a fait quoi pour avoir le pire espion de l'univers? On n'a rien demandé, nous, hein. Donc là, on nous dit qu'il y a un vaisseau de pirates qui se cache ici. Ouais. Alors, on a enfin les vaisseaux civils avancés. C'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir maintenant? On aimerait avoir des frégates. Ce serait quand même vachement, vachement bien. On pourrait également partir sur le principe qu'on a des escortes, mais des escortes améliorées, éventuellement. Ce qui nous permettrait d'avoir des escortes de patrouille et des escortes en mode heavy. C'est pas forcément une mauvaise idée d'avoir des escortes avancées. Après, j'ai peur qu'on soit un peu court. Bah déjà, on a des boucliers de merde, ça c'est une certitude. On utilise des missiles. Le souci, c'est que nos missiles, c'est pareil, ils sont pas ouf, nos missiles. Hein. On va partir sur missiles améliorés en 1. On va partir en 2. Sur escorte améliorée. Alors, on va commencer comme ça déjà. Je pense que ça va être bien. Et après, j'apprécierai des déflecteurs améliorés. Bref, ça c'est fait. Et maintenant, je vais chercher donc cette planète-là, là-bas au fond, et je demande une colonisation. Eux, ils veulent que je file 41 000 crédits à ces gens-là, mais puis quoi encore? Vous avez vu jouer ça où? Construire des tankers, ça par contre, oui. Ça, on souhaite le faire. On souhaite tout à fait le faire. Ok, voilà. Donc, on va enfin lancer une colonisation à l'extérieur de notre système natal. La situation a été. Oui, je sais que mon agent se fait attraper. Mais qui crève, mais qui crève. Qui fasse pas chier. Donc oui, la situation a été normalisée. C'est une excellente nouvelle. Du coup, ça construit au niveau du domaine civil en boucle là, de façon extrêmement avancée et forte. Une très bonne nouvelle, hein. Très très bonne nouvelle. Mining, ouais. Faire un vaisseau de construction en plus, on n'a jamais assez de vaisseaux de construction. Bon bah parfait, on n'a pas perdu les amis, mais alors genre pas du tout du tout. Alors, Trebulian Moss, c'est littéralement des trucs pour faire à bouffer, ok si vous voulez, ça me dérange pas plus que ça. Du vodka. Ouais, c'est littéralement de la vodka de l'espace. Si vous voulez, c'est pareil, c'est vous qui voyez. Donc ça doit être sur une planète gazeuse, ouais. Excellent. Bah voyons notre petit enfin notre petit empire. On commence à se répandre dans les alentours de notre planète là, de façon assez particulière, on a toute une zone ici sans étoiles et toute une zone ici sans étoiles, mais bon, c'est comme ça. Oui, si vous voulez qu'on boive de l'alcool, il n'y a aucun problème. Ça ne me dérange pas plus que ça. Tant que l'alcool se vend. Ça me va bien. Non, je donne pas. Non, mais je sais pas pourquoi ils veulent absolument que je donne 40 000 balles à des inconnus là pour faire
du commerce avec ces types. Je n'ai pas du tout envie de faire du commerce avec ces types pour le moment. C'est genre absolument pas ma priorité. On va en faire hein, du commerce, hein, mais là. Car 41 000 crédits pour construire un colony ship. Bah oui. Ici, il y a une bataille. Oui, on est en train de poursuivre ce mec-là, là. Voilà. La zone a été pacifiée. Excellent. Ouais, là on a vraiment perdu énormément de thunes. Parce que je crois qu'on a lancé donc du coup deux colonisations. Non, une colonisation, ok. On m'a simplement demandé de payer le prix. Bah écoutez, nous avons payé le prix. Je vois que ça fait déjà à peu près 40 minutes d'épisode. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui, en fait. Hop. On a sauvé les meubles et on va coloniser d'autres endroits. Donc c'est un très bel épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très bientôt pour la suite bah, de ce Let's Play. Bye bye les gens.